Bonjour and welcome to Short Stories in French by HFF. To download the transcript to this episode, head to patreon.com slash shortstoriesinfrenchbyhff. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! Un moyen puissant d'apprendre du vocabulaire. Vous est-il déjà arrivé d'avoir du mal à vous souvenir de mots que vous aviez pourtant appris lorsque vous en aviez vraiment besoin pour parler C'est frustrant. Vous faites des efforts pour les retenir, mais ils ne sortent pas facilement en conversation. Pensez à la façon dont les enfants apprennent une langue. C'est un processus naturel. Fluide et sans effort. Ils n'étudient pas des listes de vocabulaire. Ils absorbent le langage dans son ensemble. Phrases complètes, contexte, émotion. Ils écoutent, imitent et expérimentent. C'est le secret pour construire un vocabulaire actif qui coule naturellement dans la conversation. Alors comment pouvons-nous, en tant qu'adultes, exploiter cette capacité d'apprentissage Prenons le verbe manquer comme exemple. Au lieu d'apprendre simplement que manquer signifie to miss en anglais, étudions-le à travers différents contextes d'utilisation. Prenons un exemple de l'épisode 39 de ce podcast. Dans mon panier, j'ai déjà de quoi préparer plein de bons petits plats. Mais il me manque encore quelques courses essentielles. My basket is full of ingredients for some delicious meals. But I'm still missing a few essential groceries. Remarquez comment manquer ne se traduit pas directement ici. La structure des phrases françaises diffère souvent de l'anglais. C'est pourquoi le contexte est important. En apprenant les phrases et les expressions les plus fréquentes, vous entraînez votre cerveau à penser en français et non pas seulement à traduire mot à mot. Faites de l'apprentissage une aventure. Lorsque vous voyez une nouvelle expression, imaginez des scénarios où vous pourriez l'utiliser. Écoutez des histoires qui utilisent ces expressions. Vous pouvez également essayer de raconter vos activités quotidiennes en français. Tenez un journal. Plus vous vous engagez activement avec la langue, plus elle devient une partie de vous. Créer des associations visuelles est l'une des méthodes les plus efficaces pour mémoriser le vocabulaire français. Par exemple, j'utilise des flashcards où j'associe une image forte. À chaque phrase que j'ai entendue et que je veux mémoriser. Par exemple, Je lisais un livre dans la langue que j'apprenais, l'anglais. Ensuite, dans mon journal, je prenais une photo du livre ou d'ailleurs que j'ajoutais à côté de la phrase que je voulais apprendre. Je vous recommande le livre Le Petit Prince. Si vous ne l'avez pas déjà lu, plus vous vous engagez activement avec la langue, plus elle devient une partie intégrante de vous-même. En suivant ces principes, vous remarquerez rapidement que votre vocabulaire passif se transforme en expression active. Thanks for listening, and if you enjoyed it, Please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!